Good morning, good afternoon, good evening, everyone. Bonjour, bonsoir tout le monde.
Welcome once again to Cornerstone Chapel Moncton. Bienvenue encore à Cornerstone Chapel Moncton. My name is Stella. Mon nom est Jovial. It is another amazing time in God's presence today. C'est un autre moment intéressant dans la présence de Dieu aujourd'hui. Last week was the Easter weekend. La semaine dernière, c'était la semaine de la Pâque. Where we learned about the death and the resurrection of Christ. Nous avons appris la mort et la résurrection du Christ. If you are not here during first service today, si vous n'étiez pas là pendant notre premier service, Pastor taught us about prayer as a weapon. Le pasteur nous a parlé de la prière en tant qu'arme. We do appreciate you and everyone watching us online. Nous apprécions tout le monde qui nous regarde en ligne. We are a Bible-believing church. Nous sommes une église croyante. If you are looking for a community, si vous cherchez une communauté, to join, à rejoindre, make it a date with us. Faites-vous un devoir. At any of our services, à n'importe quel de notre service. We have four services that run every Sunday. Nous avons quatre services except chaque dimanche, for the first Sunday of the month, which is our celebration service. Dimanche matin, qui est le service. Our first service starts at 8:30 a.m. Notre premier service commence à 10:35 a.m. 10h45. The young adult starts at 1:30 p.m. Le culte des and the teens church start at 5 p.m. To everyone watching us online, à tout le monde qui nous regarde en we do appreciate you. Nous vous apprécions. Please don't forget to leave your contact. S'il vous plaît, n'oubliez pas de laisser vos contacts. And we'll definitely reach out to you. Vous contacter. From all of us at Cornerstone Chapel, pour tout le monde à Cornerstone Chapel, we want to wish you a blessed week. On vous souhaite un bon dimanche. In as much as God fights our battle, tout comme Dieu a combattu. Tomorrow is eclipse in Canada. Demain, c'est please try as much as possible Canada. Not to look directly at the sun. S'il vous plaît, ne regardez pas directement have a blessed and fruitful week. Ayez un dimanche béni. Shall we rise to our feet as we praise God together this morning?
you are all welcome to church. For you to be alive this day, that means God still have a plan for you. There's hope for you. If not, you would have died in your sleep. So for you to be alive today, that means you have hope. Our Father in the Lord said that we are going to rise again. So that means even if you feel that you are at the lowest point of your life, let us look at the life of Joseph. It was his father's favorite. He was given a coat of many colors. But he was stripped of his coat and he was put in the pit. Not only that, he was sold into slavery. And for his righteousness, he was imprisoned. And when he was talking to the cupbearer, I'm sure what he wanted was just for him to be exonerated, not to be free. But God sees beyond that. What of if he had been free, will he be able to go back to his father's land? Yes, he could go back and still become his father's favorite, to become a shepherd like his brothers. But God saw beyond that, and he made him to be a prime minister. That means even if you are at the lowest point of your life, there's still hope for you, because you are still going to rise again. The same thing goes for Job. You know, Job was righteous, and devil was just, you know, he was just jealous of him. He orchestrated his downfall. And even the closest friends to him were the ones telling him, maybe you have done something wrong. You know, maybe your life used to be the best. You were the envy of the people around you. But something just changed. And it seems that everybody has left you behind. Be assured that God is going to turn around your situation. You know, Job's friends were the one even attacking him. Maybe your friends has been pointing directly to saying it to your face. Or maybe they've been discussing your situation, you know, behind. Or anytime they see you, they just say it in their mind. They didn't have that boldness to tell you. But when God wanted to deal with his friends, he said you have to make a sacrifice. And you have to go to Job to pray for you. You know, everywhere you've been despised, you will be celebrated in the mighty name of Jesus. And when Job prayed for them, the Bible said that the Lord turned his captivity around. And he gave him double, twice of everything he had. So when you are going to rise again, God will not put you at the level you fell from. He will take you beyond in the mighty name of Jesus. When Satan thought that he could hold down Jesus Christ, the Bible said that he had to go down so that God could lift him up. And when he was lifted, he was given a name above every other name. When Satan thought that it was the end for Jesus, those that were against him, that said, crucify him, they thought after his death, that was all. But God made him to rise. And when he rose, it was not just amongst the people, though he descended to heaven. And up to now, 22,000 years after then, we are here where we are today. We could see here, so because they could not stop him. Yes, you may be there at the lowest point of your life, but God will see you through, because you will see the light at the end of the tunnel in the mighty name of Jesus. So if you believe that, give God all the glory. Praise the Lord. Congratulations, you made it to April. Dites à vos amis, félicitations, vous l'avez fait pour moi. And said, I will see you in May. Et dites-lui, je vais vous voir bientôt. Let's praise God now for seeing us through to April. Alléluia, Seigneur. Now, you're going to do something for this morning. All right. Everybody say it. Everybody's
gonna surely come to pass. At the mention of your name, everybody say, every name must bow. Say, Lord, change the move. To my sorrow, bye-bye. Goodbye to my pain, bye-bye. Yeah, so long, bye-bye. Yeah.
worship this morning, if you have just one thing to praise God for, just say, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Just personalize it this morning. Thank you, Jesus. Merci, Jésus.
in your heart to your worship. The book of Psalm 107, verse 20. Says, oh, that men will give thanks to the Lord for his goodness and for his wonderful works to the children of men. Church, I want us to open our mouths and thank the Lord Almighty. Let's bring an attitude of thanksgiving. Let's bring an attitude of worship. Let's thank the King of Kings. Let's thank the Lord of Lords. Let's worship our Father this morning. I appreciate the name of the Lord for bringing you to his vineyard. Bless his holy name for making a way for you and I. Let's open our mouth and thank him for his faithfulness from the beginning of this year. Yeah, we are in the month of April, the fourth month in the year. The Lord has been merciful. The Lord has been faithful. Father, Lord, we bless you. We worship your holy name. We return with a heart of thanksgiving this morning. Be thou exalted, be thou glorified, Lord, in the name of Jesus. Brethren, I want us to pray this morning for the touch of heaven. The woman with the flow of blood said, if only I could touch the hem of his garment. If only I could touch the hem of his garment, I'll be made whole. Brethren, open your mouth and pray for a touch in today's service. Pray for a touch of God, that the Holy Spirit will touch us. That the Holy Spirit will breathe upon every dry bones. That the Lord Almighty Father will touch every situation that needs to be touched this morning. That the sick be healed in our midst. Let's pray the Lord will touch every marriage. Let's pray for the touch of God upon our children. Let's pray for the touch of God upon our career. Open your mouth this morning and pray, Father, touch me in today's service in the name of Jesus. Let's pray for the touch of God in today's service. That Father, touch us in today's service in the name of Jesus. Open your mouth and pray for the touch of heaven. Let's pray that heavy dry bones rise again in the name of Jesus. Let's pray for a touch of heaven over every particular situation, every particular talent. The word of God says, with God, nothing shall be impossible. Lord, in today's service, touch us once again in the mighty name of Jesus. Touch my brother, touch my sisters in the name of Jesus. Touch our children in the mighty name of Jesus. Touch every marriage, touch every career, touch everything that needs to be touched, Lord, this morning. In the mighty name of Jesus. Sit in the attitude of prayer. The word of God says in Psalm 107, verse 20, he sent his word and healed them and delivered them from their destructions. Let's pray that Father send your word to your prophet, to your servant this morning in the mighty name of Jesus. Send your word to me, send your word to my situation. Send your word unto my heart, send your word unto us this morning, Cornerstone Chapel. Father, send your word in the mighty name of Jesus. Lord, you are the way breaker. Send your word unto me in the mighty name of Jesus. Send your word of healing. Send your word of deliverance. Send your word that is able to liberate me today in the name of Jesus. Your word says the word of God is quick and sharper than every two-edged sword. Send your word that is going to put an end to every affliction in our lives in the name of Jesus. Send your word that is going to launch me into my realm of unlimited in the name of Jesus. The Bible says Jesus entered the boat of Peter and Jesus told unto Peter, launch your net into the deep, and he caught a bountiful harvest of fishes. Brethren, pray for the word of God this morning. Lord, send your word unto me in the mighty name of Jesus. Speak your word unto my situation. Speak your word of deliverance. Speak your word of healing. Speak the word of divine visitation into my life in the mighty name of Jesus. Let's pray this morning, Father, send your word once again in the mighty name of Jesus. That we will not return the same way we came in the mighty name of Jesus. In this service, O Lord, touch me one more time in the mighty name of Jesus. Touch me one more time in the mighty name of Jesus. In Jesus' mighty name we pray. And lastly, we are going to pray according to the word of God.
God in Nehemiah 13 verse 31. Prions dans le livre de Nehemiah 13 verse 31. Prions. It says, "Remember me, O God, for the good for good." Il dit, souviens-toi de nous. We are going to turn that to prayer. Nous allons prier. The Father, remember me for good as I go this week in the mighty name of Jesus. Remember me for good, O Lord, as I go this week in the mighty name of Jesus. Remember my household for good in the mighty name of Jesus. Remember my finances, remember my health for good in the mighty name of Jesus. Let's pray, Father, remember me for good in the mighty name of Jesus. O Lord, remember me for good in the mighty name of Jesus. As I go this week, Father, remember me for good. Reverend, open your mouth and pray that, Father, remember me for good in the mighty name of Jesus. Remember my father, remember my daughter, remember my children for good this morning in the name of Jesus. Church, open your mouth and pray, Father, remember us for good as we go this week. Lord Almighty, remember your church as we go this week for good in the mighty name of Jesus. Open your windows of heaven, Father, remember us for good as we go this week in the mighty name of Jesus. And we pray in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Father, as continue this service, remember us for good in the mighty name of Jesus. We declare the service open in the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost. In Jesus' mighty name we are prayed. Praise the Lord. Praise the Lord. Let's have our seats in the presence of God. We have come to magnify the name of the Lord this morning. To magnify means to enlarge, to exalt. Somebody turn to your neighbor. Magnifions et exhortons. Tell them, I came. Dites, je suis venu pour magnifier. Alléluia. Alléluia. Lift Jesus higher, lift Jesus higher, oh, Mother, higher, lift
magnify him this morning. Come on, clap your hands together for Jesus. Joignez vos mains et acclamez. Let's remain standing. Acclamons encore pour Dieu. It seems that the same thing we did in the morning we'll have to do in this service. Il se peut que ce qu'on a fait le matin, on doit le faire encore dans ce service. It's always tough when you hear that kind of music and you can afford to sit. Quand vous entendez ce genre de chanson, vous voulez danser. In fact, somebody rightly said. D'ailleurs, quelqu'un l'a dit. He said, when you go to that place, that music pushes you up. Quand vous allez à cette place-là, vous vous élevez vous-même. I'm beginning to think that they are talking of another church. I'm beginning to think they are talking of another church. Je vais commencer à parler d'une autre église. Are they talking about Cornerstone? Pas, mais parlons de Cornerstone. So if the music pushes you up, what does the music push you to do also? La raison, c'est que nous devons acclamer. And to move your feet. Et nous devons move your bouger, feet, nous right? devons danser, bouger. And then those of you that know how to jump, then you jump, right? Pour ceux qui acclament, okay, good. Let's go for that chorus again. Encore une autre chanson. Let somebody shout hallelujah. Hallelujah. Amen. Father, we are thankful for your joy. Père, merci pour ta joie. The Bible says that the joy of the Lord is my strength. La Bible dit que la joie de Dieu c'est ma force. Thank you for indeed, if we have tears, they are tears of joy. Merci, car si nous avons des larmes, ce sont des larmes de joie. They are tears that remind us of where we were. Des larmes qui nous font nous souvenir de qui nous sommes. And tears that remind us where we could have been. Et des larmes qui nous font nous souvenir de là où on devait être. But we thank God because we are in your presence. Mais nous avons des larmes parce que nous sommes devant ta présence. And we thank God because our future is great. Merci, car notre futur est grand. Father, we thank you for all that you have done. Père, merci pour tout ce que tu as déjà fait. We thank you for all you continue to do. Merci pour ce que tu continues de faire. Thank you for taking time to invest in our lives. Merci de prendre du temps pour investir dans nos vies. Thank you, God, for taking time, oh Lord, even to give us what we have. Merci de prendre du temps pour nous donner ce que nous n'avons pas. Thank you for giving us something that cost you something. Merci de nous donner quelque chose qui t'a coûté quelque chose. Father, we give you all the glory. Père, nous te donnons toute la gloire. Lord, we thank you. Père, nous te disons merci. Because you have called us into a battle that you have settled. Parce que tu nous as emmenés dans une bataille que tu as déjà gagnée. Thank you because we are participants. Merci parce que nous sommes des participants. For the victories of you. Pour ta victoire. And so, Father, alors, in this merci. Few words, Lord, nous te levons. I pray that as we go into your word this morning, nous prions que ta parole, let the word bring out the fighter in your children. Que ta parole emmène le combattant en tes enfants. Every soldier that is resting. Que chaque militaires qui se reposent. I pray today they become uncomfortable j'ai pris with rest. Aujourd'hui, ils vont sortir de leur tanière. I pray everlasting Father, everyone that thinks the battle is over. Que toute personne qui a fait une bataille. Holy Spirit, quicken them. Que tu puisses les réveiller. And above everything else, Lord, encourage them. Seigneur, encourage-les. I surrender myself to be used by you, Lord. Je m'abandonne en toi, Seigneur. Father, let the words pass through my mouth and my lips and my mind unfiltered. Que ta parole puisse entrer en moi, Seigneur. And let it be delivered to the children with power. Et que cela soit délivré à tes enfants. Thank you, everlasting Father. Merci, Père éternel. In Jesus' mighty name, we pray. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Praise the Lord. Louons le Seigneur. Well, thank you. I'll bring you back later when we're about to merci à la round chorale. Up. The Lord bless you. Le appreciate Seigneur them as bénisse. They go. And please have your seats.
Praise the Lord. Louons le Seigneur. Praise the Lord. Louons le Seigneur. I don't know, maybe peut-être. It seems some hands are heavy. Je vois certaines réponses lourdes. Ask your neighbor, are your hands heavy? Je vois certaines mains lourdes. Did they answer you? Did they answer you? Je vois certaines mains lourdes. When Christians don't want to answer a question, they smile. Quand les Christians ne veulent pas répondre à une question, ils sourient. But ask them again, are your hands heavy? Mais posez-leur encore la question, est-ce que vos mains sont lourdes? So if they are not heavy, why don't you put them together? Si vos mains ne sont pas lourdes, acclamez pour Seigneur. Clap your hands, all you people. Put your hands together. Put them together. Hallelujah. Amen. Amen. Thank you. God bless you. Merci. It's always interesting that. C'est toujours intéressant de remarquer que. Sometimes, until we lose things before we appreciate them. Quelquefois, on a besoin de perdre des choses afin de les apprécier. Every now and then, I think about the story in Scripture. Alors, il y a une histoire dans la Bible. He said when Jesus entered the synagogue. Que quand Jésus est entré dans le synagogue. There was a man there that had a withered hand. Il y avait un homme qui avait une attaque. It means when they clapped. Ça veut dire que quand ils ont acclamé. He had to put his hand in his pocket. Il a dû mettre ses mains dans ses poches. Because his hand was withered, he couldn't clap. Parce que ses mains étaient lourdes, il ne pouvait pas acclamer. But then there is nothing as bad. Frère, il n'y a rien aussi mauvais. As a hand that could clap before that can no longer clap again. Qu'une main qui pouvait acclamer qui ne peut plus soudainement there acclamer. There is nothing as bad as a voice that used to come out that n'y a rien no longer d'aussi comes mauvais out qu'une voix qui pouvait sortir qui ne peut plus sortir. And so that's why I keep praying. C'est pour cela que je prie that everything that God has given you, that you lose none. Que chaque chose que Dieu vous a donné que vous ne le perdez jamais. I keep praying for you. Je continue de prier pour that vous. That even though you might have fallen in battle, you will rise this month. Que vous êtes tombé dans la bataille, vous allez vous ressusciter. Just to remind you that there will be communion tonight. Un petit rappel que nous avons une communion ce soir. 6 o'clock. À 18h. And the communion will be here. Et elle va avoir lieu ici. And so in the last little while. Alors, la dernière fois, we have been talking about the weapons of warfare. Nous avons parlé des armes. And the Bible rightly says for the weapon of our warfare. Et la Bible nous dit que les armes pour notre bien-être. Meaning that those weapons are for us to use. Sont pour nous afin que nous puissions les utiliser. And we took time. Nous avons pris du temps to explain afin d'expliquer why are we even fighting? Pourquoi est-ce que nous nous battons même? Because the Bible says we wrestle not against flesh and blood. Parce que la Bible dit que nous ne nous battons pas contre la chair et le sang, but against powers, mais contre la puissance, principalities, contre les principalités, rulers, contre les dirigeants. The Bible makes us understand that for the weapons of our warfare, they are not carnal. La Bible nous amène à comprendre que les armes de notre bien-être ne sont pas statiques. Another word for carnal means you can't explain them. Statique, ça veut dire qu'on ne peut pas les expliquer. The Bible says that through the foolishness of preaching the word. La Bible dit qu'à travers la stupidité de prêcher l'évangile. God has designed that men will be saved. Dieu a designé vos mains. Brethren, when you have seen miracles before. Alors si vous avez déjà vu des miracles avant. You will understand vous that the weapons of our warfare truly. Que les armes de bien-être sont vraiment, on ne peut pas les compter. And so we took time to explain all of that. Alors je n'ai pas assez de temps pour expliquer tout ça. We also took time. On a aussi à une autre moment. To explain when exactly should you expect an attack. On a pris du temps pour aussi expliquer quand est-ce que vous devez vous attendre à une attaque. And if you are like me, I came to the conclusion. Et si vous êtes comme moi, je suis venu à la conclusion. That I expect an attack every day. Que j'attends une attaque tous les jours. If possible, every minute. Si possible, chaque minute. No wonder the Bible says you watch. C'est pas pour rien que la Bible dit que vous allez and voir. Pray. Et vous allez prier. Brother, when you are a soldier. Frère, quand vous êtes un militaire, there's no time for downtime. Il n'y a pas de temps pour le calme. Because in that downtime, God forbid, a bomb, a missile can land. Parce que Dieu a préparé une terre. That does not mean that you cannot do other things. It just means that spiritually, you are permanently alert. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez rien faire, mais c'est juste pour dire que vous êtes permanemment vivant. No wonder the Bible says that he that is a soldier in Christ does not entangle himself with the affairs. C'est pas pour rien que la Bible dit que celui qui est un militaire de Dieu ne s'encombre pas avec des peurs. So in the first service this morning then. Alors dans le premier service ce matin. I spoke about the weapon of prayer. J'ai parlé des armes de prière.
Because we had many, many weapons. Parce que nous avons plusieurs armes. Remember when we started this series, I spoke to you about the weapon of knowledge. Souvenez-vous, je vous ai parlé de l'arme de la sagesse. It is in those days that people used to say that what you don't know cannot kill you. C'est pour ça que ce que on dit que ce que vous ne savez pas ne peut pas vous tuer. Brethren, what you don't know can not only kill a man, it can kill his whole family. Sœur, ce que vous ne savez pas ne peut pas seulement juste vous tuer, mais peut aussi tuer toute votre famille. you don't need to know about cyanide. Vous n'avez pas besoin de savoir toutes les choses. God forbid if you eat cyanide. Que Dieu nous en garde. It takes the grace of God and your coating that when they eat anything deadly, it will not harm them. Que Dieu nous en garde afin que vous ne puissiez pas savoir quand vos frères mangent des choses. Ignorance will never be an excuse. Sinon, vous allez prendre une excuse. And we establish that every one of us, you need knowledge. Et vous allez établir que chacun d'entre nous a besoin and de so connaissance. That part of that knowledge is to let you know. Alors cette part de connaissance est pour vous faire savoir that your enemy, que vos ennemis. I like the way the Bible put it. He said he's always going around. La Bible dit que vos ennemis tournent toujours autour. Looking for who he will do what? À la recherche. Devour. À la recherche de qui dévorer. One of the translations says who he will cause calamity for. Une des versions dit celui à qui va causer de la calamité. And so, if there's anything you need to do. Alors c'est quelque chose que vous devez faire. Oh, brethren, you need to learn to pray. Alors mes frères, vous devez apprendre à prier. Prayer not only changes things. La prière pas juste pour changer. But prayer itself keeps you yourself standing. Mais la prière vous fortifie. Now, sometimes people ask me. Alors quelquefois les gens me demandent. And I thank God for the gen, whatever they call them, Gen Z's. Et je remercie Dieu pour even les gens gen, de cette génération. Why, whatever, I thank God for them. The Gen Y. Les gens de cette génération. And the reason I thank God for them. Je dis Dieu merci à eux. Is that I always tell them I pray you don't suffer. À chaque fois que j'ai pris ma prière, ils ont toujours peur. So you see, because they say that you people are too intense. Parce que chaque fois ils vont dire qu'on est trop intense. I said really. Je dis n'est-ce pas? You don't have money. Vous n'avez pas d'argent. You don't have influence. Vous n'avez pas d'influence. Even your face is not hard. Même vos visages, vous n'en avez pas. But you know a secret place. Mais vous connaissez un endroit secret. Where you can't afford to be a gentleman. Où vous ne pouvez pas être un gentilhomme. Because that is the only hope you have. Et c'est le seul espoir que vous avez. And so I tell them. Alors je leur ai dit. Let me continue to pray like that. Je vais continuer à prier ainsi. Praying like that got me to where I am. Priez ainsi, ne regardez pas tel que je suis. Why will I change a winning team? Pourquoi est-ce que je vais changer quelque chose de volontaire? You are used to praying gently. Vous savez que je priais doucement. The reason you are used to praying gently is because there's somebody praying fervently on your behalf. La raison est qu'il y a quelqu'un qui prie fervemment pour vous. And so occasionally when you see people praying, they are rolling on the floor. Alors si vous voyez des gens qui s'enroulent par terre, c'est ceux qui connaissent les batailles auxquelles ils font face. Don't make fun of anybody fighting. Ne vous moquez pas de ceux qui se battent. In fact, have you not noticed that when soldiers go to war, même, vous voyez même que même quand les militaires vont some will kneel with one leg and then they point the gun, right? Certains vont s'agenouiller puis do you see soldiers rolling from place to place or not? Avez-vous déjà vu des militaires rouler even if you don't you watch movies? Est-ce que vous ne regardez pas les films? You see them, they jump in one place, then they roll, right? Vous allez les voir, ils vont sauter d'une place, that ils is vont faire the physical. Un salto. Brethren, you better learn to do that in the spiritual. Frère, apprenez à le faire spirituellement. So this morning we want to look at. Alors ce matin, je veux regarder à. The weapon. Regardez aux armes, prayer. Aux armes de prière. In the morning, I was talking to them about a man called Peter. Le matin, je parlais d'un homme nommé Pierre. John chapter 1 verse 40. Jean chapitre 1 verset 40. John 1:40. Jean 1:40. The Bible rightly tells us. La Bible nous dit that when Jesus saw Peter for the first time. Que quand Jésus a vu Pierre pour la première fois. Jesus told him. Jésus lui a dit. He said, Simon, son of John. Il a dit Simon, fils de Jean. He said, thou art called Cephas. Lisez Jean 1 verset 40. He said, but. No. He said, Simon. Let me see. Thou art Simon, the son of Jesus. Thou shalt be called Cephas. And I explained it to them this morning, and I want to explain it to you before I go into the things alors, that I want to talk about. Je vais aussi vous expliquer avant d'entrer dans mon sujet. Immediately, aussitôt, Jesus openly said, aussitôt que Jésus a ouvertement dit, Peter, you have a future. Pierre, vous avez un futur. Peter became an enemy. Jésus a commencé à douter.
Brother, let me say that again. Frère, laissez-moi le dire encore. Immediately, aussitôt que Jésus a dit, somebody prophesies a good thing to you. Que quelqu'un prophétise quelque chose de bon sur vous. Enemies will stand to make sure it doesn't come to pass. Les ennemis commencent à vous combattre afin que cela ne s'arrête pas. And I explained to them in the morning. Et je leur ai expliqué ce matin. Go back and check your scripture. Allez regarder vos écritures. It was only Peter, out of all the disciples, that sickness visited his house. C'est seulement Pierre que de tous les disciples la maladie a visité sa maison. It was only Peter and his compatriot that the Bible says that they went fishing and they caught nothing. Parce que Dieu, c'est juste Pierre que Dieu a eu la visite. It was only Peter that the devil went to ask for. C'est seulement à Pierre que le diable est allé demander. So Peter suddenly stood out. Alors Pierre s'est soudainement levé. The reason was because of his place in the kingdom. La raison est à cause de sa place dans le royaume. So whenever something good is about to happen to you, watch out. Alors quelque chose de bon est sur le point de vous arriver, regardez. All the forces of darkness are going to stand. Toutes les forces des ténèbres commencent à se lever. And I also explained to them. I'm just laying the foundation. I also explained to them this morning. Et je leur ai aussi expliqué ce matin. You can call the devil anything. Vous pouvez appeler tout le diable. He plans. Il va faire des plans. Oh, he's also a master planner. C'est aussi un chef d'orchestre. If you go back and read, the Bible says. Si vous repartez lire la Bible dit. Genesis chapter 12. Genèse 12. God told Abraham. Dieu dit à Abraham, he said, your seed shall be slaves in a foreign land, right? Dit, for how long? Sera des esclaves for 400 years. Pendant 400 ans. And then he said, in the fourth generation, they will come forth. Il dit, pour la quatrième génération, ils vont se libérer. Did you not realize that the devil did not disturb the children of Israel in the first generation? Savez-vous que le diable n'a pas perturbé les enfants d'Israël pour la première, deuxième génération? In the second generation, he didn't disturb them. Dans la deuxième génération, il ne les a pas perturbés. In the third generation, he didn't disturb them. Dans la troisième, il n'a rien fait. Immediately, the fourth generation came. Aussitôt, la quatrième génération est arrivée. Suddenly, there was a king. Soudainement, il y avait un roi. That said, every male child that is going to make that prophecy come to pass, qui kill them. Tout premier-né fils qui doit even without being born, même sans être Moses né, already had an enemy. Moses, oui, ils avaient déjà un ennemi. Are we together? Est-ce que nous sommes ensemble? The bigger what God has for you, the bigger the obstacle you face. Plus grand est ce que Dieu vous promet, plus grand est l'obstacle. And that is why you need to learn how do I pray and pray through. C'est pour cela que vous devez apprendre comment prier et aller de l'avant. If your marriage is supposed to be a good example. Si vos mariages sont un bon exemple. The enemy will fight it. L'ennemi va vous combattre. You will suddenly see that you and your wife and your husband, you don't just understand yourselves. Vous allez soudainement voir que vous et votre mari n'arrivez pas à vous comprendre. Because the devil is after that. Parce que le diable est après cela. Have you not noticed that children, by the grace of God, are destined for greatness? Their pregnancies are difficult. N'avez-vous pas remarqué que les enfants qui sont destinés pour des grandes choses, leurs grossesses sont toujours difficiles? It is not. The weapons of our warfare are not. You didn't translate that. The weapons of our warfare are not carnal. Les armes de notre bien-être ne sont pas statiques. I'm listening. Praise the Lord. Louons le Seigneur. Let us read. Lisons. 2 Corinthians. 2 Corinthiens. Chapter 2, verse 11. Chapitre 2, verset 11. Some of you know. Certains d'entre vous. Verse in your head. Certains d'entre vous connaissez ce verset. The Bible says, in order that Satan should not outwit us. Lisez 2 Corinthiens. For we are not ignorant of his devices. Why must you then pray without ceasing? Pourquoi devons-nous prier alors sans faire Why de sémence? Why must you pray without ceasing? Pourquoi devons-nous prier sans semer? Number one. Numéro un. Because the war never ends. Parce que la terre ne s'arrêtera jamais. The war itself never ceases it. La terre n'a pas encore sémé. Either you are lying down, the war is going on. Même si vous êtes couché, la guerre continue. You are standing up, the war is going on. Vous êtes debout, la guerre continue. While you are in church, the war is going on. Même pendant que vous êtes à l'église, la guerre continue. Everywhere you go, the war is going on. Partout où vous allez, la guerre continue. So the first reason why you must pray without ceasing is because the war itself does not cease. C'est parce que la guerre ne s'arrête pas. I'll give you just one example. Je vais vous donner un exemple. Remember in those days we talk about the story of Moses. Vous vous souvenez de ces jours où on parlait de Moïse? Moses had won several battles. Moïse avait gagné plusieurs batailles. Unknown to him, the devil had many schemes.
Et malgré cela, le diable avait plusieurs tours. And one of the schemes of the enemy is anger and disobedience. Et l'un de ces tours, c'est la colère et la désobéissance. And so God says this time around, don't hit the rock, speak to the rock. Alors Dieu dit pour cette fois-ci, ne frappe pas le rocher, parle au rocher. He struck the rock. Il a frappé le rocher. Suddenly the battle was over for Moses. Et soudainement, le combat était fini pour Moïse. A man that had fought for 120 years. Un homme qui a combattu pour 120 ans. The battle never ceases. Sa bataille ne cesse jamais. Because you won yesterday doesn't mean that you are guaranteed victory today. Ça ne veut pas dire que vous devez arrêter aujourd'hui. Because you have to be constantly on your toes. Parce que vous devez constamment être sur vos gardes. Brethren, when Jesus told them, he said, Frère, quand Jésus this leur a is the dit, way you dit, pray. Ça c'est la façon de prier. And then he came back and said, "Men ought always to pray." Il est revenu et a dit, apprenons à prier. You will understand that there must have been a reason for it. Vous allez comprendre qu'il devait avoir une raison pour cela. And the reason is because. Et la raison était que. The Bible says that your adversary. Que la Bible dit que vos adversaires. Is always. Vos adversaires sont toujours. Is what? Sur always. Vos adversaires sont toujours. Sometimes when you understand the way the enemy works. Quelquefois vous entendez comment l'ennemi. You know the Bible says he's always looking. Vous savez le. He's always looking, right? You know what that means? Il est toujours en train de regarder. It means that when he looks and he checks this row and there's nobody that he can devour, what does he do? Quand il regarde, il va moves to the next row. And so he moves to the next row. Il va jusqu'à ce qu'il va. It's the same thing when he comes to your street. Et quand il vient à tes pieds. And he checks the first house. Il regarde la première maison. And there is no victim there. What does he do? Là, he goes to the next. Il va à la prochaine maison. Ah, you don't believe me. Vous ne me croyez pas. The devil did not invent anything. Le diable n'a rien créé. The only thing is that he makes whatever God has done. Mais la chose qu'il fait, il pervertit tout ce que Dieu fait. In the book of Exodus. Dans le livre d'Exode. When God sent out an angel of death, how did it go? Quand Dieu a envoyé l'ange de la mort, comment que cela s'est passé d'aller de maison en maison? So what do you think the devil is going to do? Que pensez-vous que le diable va faire? More or less shown him the way. Himself is also going to go from house. Si Dieu a prouvé quelque chose pour vous, il va aller de maison en maison. But then I pray that when the enemy comes knocking at your door, that your door will not be available to open. Je prie que quand l'ennemi va venir sur vos portes, que vos portes ne soient pas disponibles. Number two. Numéro 2. Why must you pray without ceasing? Pourquoi prier sans cesse? Numéro 2. It is because. C'est parce que. Your enemy, your adversary. Vos adversaires et vos ennemis. He will go to any extent to truncate one destiny. Vont tout faire pour perturber votre destinée. Ils vont aller juste, ils vont franchir toutes les limites. I remember long ago. Je me souviens dans le passé. Daddy Gio told us a story. On avait entendu une histoire. He said he used to drink a particular kind of soft drink. Il avait l'habitude de boire une boisson. Until he went there and without asking him, they said, "I know what you drink." Jusqu'à ce que quelqu'un sans lui demander le saveur. He said from that day he just made up his mind, "I'm not drinking anything." Il savait quoi boire. Alors il savait déjà. I'm not drinking that again. Et jusqu'à ce qu'il dise, "Je ne vais plus boire cette boisson." It is the thing that a man loves that the enemy uses. C'est ce que cet homme aimait que l'ennemi a utilisé. And the enemy is patient. Et l'ennemi est patient. Do you know that the enemy is actually more patient than most Christians? Savez-vous que l'ennemi est plus patient avec des chrétiens? I told them this morning that one of the things that you must pray for. Je leur ai dit ce matin qu'une des choses pour lesquelles vous devez prier. And I'll come back to that. One of the things you must pray for. Une des choses pour lesquelles vous devez prier. Is that you will pray that you are never tired of praying. Vous devez prier de ne jamais être fatigué de prier. I know it sounds. It sounds somehow. Je sais que cela sonne bizarre. You will pray that you will never get tired of what. Mais vous devez prier de ne jamais être fatigué de prier. When a man gets tired of praying, it's a problem. Quand un homme devient fatigué de prier, c'est un problème. The Bible says that the prayer of a fervent, the effectual fervent prayer of a righteous man stirs up much activity in the heavens. La Bible dit que les hommes justes vont avoir une In your translation, it says, "Availeth." Dans les interprétations, il dit qu'il va avoir quelque chose de plus pour eux. How then do you recognize when the enemy is attacking? Number one. Comment alors reconnaître quand l'ennemi vous attaque? Numéro un.
The Bible rightly in Revelation 12:10, the Bible says he's the accuser of the brethren. Dans Apocalypse 1, il dit que c'est l'accusateur des saints. Even what you are doing now. Même ce que vous faites maintenant. The enemy can use it as an accusation against you. L'ennemi peut l'utiliser contre vous. And look at Job. Regardez Job. The enemy went to God. L'ennemi est allé vers Dieu. He said, "Does God, Job, trust God for nothing?" Il dit, ne faites pas confiance à Job. That is why I always tell Christians. C'est pour ça que je dis toujours aux chrétiens. Love God for God. Aimez Dieu pour Dieu. Not for what you get from God. Pas ce que vous obtenez de Dieu. Love God for His person. Aimez Dieu pour sa personne. Not for His presence. Pas pour sa présence. Because the presence may go, but the person remains. Parce que sa présence peut partir, mais sa personne va demeurer. When the devil tried Job, he removed everything around Job. Quand le diable a tenté Job, il a enlevé tout autour de lui. I've never seen God disgrace a man like that. Je n'ai jamais vu Dieu décevoir un homme de cette God, façon. God, ask Job. Allez demander à Job. You're talking like this. Une personne aussi sage. Can you stretch the firmament in the heavens? Est-ce que vous pouvez élargir les firmaments dans les cieux? And suddenly you understand. Et soudainement vous comprenez. That when the enemy wants to remove something, he accuses you. Que quand l'ennemi veut vous retirer quelque chose, il vous accuse. Remember Zechariah chapter 3 verse 1. Souvenez-vous de Zacharie verse 3 verse 1. The Bible says now I saw the angel of the Lord and I saw Joshua the high priest standing. And la Bible dit que j'ai vu un ange de Dieu. Somebody who was standing on his right hand to do what? Était assis à sa droite en train de l'accuser. Numéro 2. I'm giving you points now that you pray against. Though. Je vous donne des points pour number lesquels vous devez prier contre. Numéro 2. The enemy can afflict a man. L'ennemi peut affliger un homme. Affliction of a man is not the end of the man. L'affliction d'un homme n'est pas sa fin. The Bible says that many. La Bible dit que plusieurs. How many? Many. Plusieurs. How many? Plusieurs. Many are the afflictions of righteous. Plusieurs sont les afflictions. What does it say after? Des but saints. The Lord. Parce que Dieu est avec eux. Many are the afflictions of the righteous. Beaucoup sont les afflictions des saints. It is a settled word. C'est un certain mot. It means that as far as I remain righteous, cela veut dire qu'aussi longtemps qu'il demeure saint, des afflictions vont arriver. But who is going to see me through them? Mais qui est-ce qui va? How does he see me through them? Comment est-ce qu'il va les voir? Dieu va les voir à travers leurs prières. Remember, the Bible says that whatever you allow on earth is allowed. Tout ce que vous vous souvenez, que tout ce que vous admettez sur la terre est admis au ciel. So if you enjoy affliction, then it's good. Alors si vous vous réjouissez pour les afflictions, heaven will leave it with you. Il va avoir les cieux vont vous laisser avec. Have you not realized that God? N'avez-vous pas réalisé que Dieu naturally walks where he's invited to walk? Que Dieu va toujours là où il est invité à marcher. Many are the afflictions of. Plusieurs sont les afflictions de. Number three. Numéro 3. What else does the devil do that you are going to pray about? Qu'est-ce que Jean fait que nous allons prier pour? He chokes. Il réunit. He chokes you. Ce que le diable fait, ce qui vous étouffe. Remember, the Bible talks about the sower. Souvenez-vous que la Bible parle du semeur. The Bible says that he choked the word. Le semeur, il a étouffé cette personne. Oh, but there are other ways that the devil chokes you. Le diable vous étouffe. He chokes you with a sense of helplessness. Le diable vous étouffe avec un sentiment de vulnérabilité. No wonder David wrote that psalm. C'est pas pour rien que le he diable. He says, "I will lift up my eyes unto the hills." Que David a regardé vers les cieux. He says, "Where?" Il a dit, "Does my help come from?" Il a dit, d'où est-ce que je viens? Now find out the circumstances under which he wrote the psalm. Peu importe les circonstances. The devil can choke you in so many other ways. Le diable peut vous étouffer de d'autres manières. The devil can choke you with fear. Le diable peut vous étouffer avec la peur. Oh, fear can choke a man. La peur peut étouffer un homme. But God can deliver a man. Mais Dieu peut délivrer un homme. Number 3. 4 or 3, 4. 4. The devil can deceive. Le diable peut vous décevoir. 1 Timothy chapter 2 verse 14. 1 Timothée chapitre 2 verset 14. Adam was not the one deceived. La Bible dit que la personne que Adam n'était pas la personne déçue. The devil can deceive to tempt. Le diable peut vous décevoir. Number 5. Numéro 5. The devil can distract. Le diable peut vous distraire. To distract means to take your attention away from the things that are important. Vous distraire, c'est de retirer votre attention des choses qui comptent. To take your attention away from the things that are what? Prendre votre attention des choses qui comptent.
The Bible says, seek ye what? First, the what? The kingdom of God and... La Bible dit que ceux qui cherchent le royaume de Dieu. So what is important? Alors qu'est-ce qui est important? Le royaume de Dieu. If I look at my schedule today, si je regarde mon calendrier aujourd'hui, does the time that I spend in the things of God show that it is the important thing? Le temps que je dépense pour les choses de Dieu montre que c'est important. The devil is checking your calendar. Le diable va checker ton agenda. Because of time, let me go to the next one. Number. À cause du temps, je vais aller au prochain point. Number six or seven. Numéro six. Number six. Numéro six. The devil can hinder you. Le diable peut vous frustrer. There are times you want to do something, you just realize that there's a force that doesn't just allow you. Des fois, vous voulez it. Faire des choses et vous remarquez qu'il y a une puissance qui vous empêche de les faire. And so when you know all of these things that I have counted, brethren. Alors quand vous savez toutes ces choses qui ont compté, then frères you et know sœurs, how to pray. Alors vous savez comment prier. Because when you understand the schemes of the enemy. Parce que quand vous comprenez les tours du diable. Then you are not shooting your bullets in the dark. Ils vont pas vous tirer des armes dans le dark. The more knowledge you have, the more strength. Le plus vous avez d'intelligence, le plus vous pouvez prier. And so me telling you all these things is not for anything else, but for you to understand how do you direct your prayers. Afin que vous puissiez comprendre comment diriger vos prières. Brethren, there's one thing that you need to pray about. Frères et sœurs, vous devez, il y a une chose pour laquelle vous devez prier. You need to pray that you will cease to be comfortable in the midst of the enemy. Vous devez prier afin d'être confortable en présence du diable. Samson was. Samson était. He regretted later. Mais il a regretté. The enemy may pretend as a friend. L'ennemi peut prétendre que vous êtes un ami. But you have to learn to discern not to be comfortable there. Mais vous devez avoir le discernement et ne pas être. Oh, brethren, you also have to learn. Vous devez aussi apprendre à. That you will never be discouraged in the battle of life. Que vous n'allez jamais être découragé dans les batailles de la vie. You must always keep hope alive. Vous devez toujours avoir l'espoir. In fact, whatever, if you lose everything in life, you must never lose hope. Même si que vous perdez tout, ne perdez pas l'espoir. It is hope that makes a man to wake up in the morning. L'espoir vous fait vous réveiller tous les matins. It is hope that makes you to go and believe that things will get better. L'espoir vous emmène à vous lever en croyant que les choses vont aller mieux. L'espoir. That makes you believe. L'espoir vous emmène à croire. That despite your not qualifying, that God can make a way for you. Que malgré votre manque de qualification, Dieu peut faire un chemin pour vous. Whatever you do, brethren, quoi que vous fassiez, l'espoir doit être vivant. The Bible then, let me not go back. The Bible then says in Ephesians chapter 6. La Bible dit alors dans Ephésiens chapitre 6. He said, praying always with all manner of prayer. Il dit prier, prier sans cesse. One of the manner of prayer you must pray every time. Une des choses pour lesquelles vous devez prier tous les jours. Is to learn to pray in tongues. C'est d'apprendre à louer le Seigneur. Is to be baptized with the Holy Spirit. C'est d'être baptisé du Saint-Esprit. When you pray in tongues. The devil is left out of it. Quand vous priez Dieu, le diable se retire de vous. When you pray in tongues, quand vous priez en langue, you are going into realms that you yourself cannot physically imagine. Vous allez dans des endroits que même vous-même vous ne pouvez pas physiquement imaginer. When you pray in tongues, the Bible says, quand vous priez en langue, la Bible dit, that you are charging yourself. Que vous vous armez. You know what it means to charge yourself when the Bible says, vous savez ce que ça veut dire de vous that armer. He that prays in unknown tongue edifies himself. Ça veut dire que you vous know what it means? Vous-même. Vous savez ce que cela veut dire. The only way I can describe it to you is like those of you that are those of you that come from countries where your battery doesn't always work. C'est que ceux qui viennent de batterie, de pays you know, où the battery of your car doesn't work, right? Vous savez les moteurs de vos voitures. And so when the battery doesn't work, what do you do? Quand cela ne fonctionne pas, you charge. Vous commencez à recharger vos batteries. Right? I remember as a young boy, they taught me that you put water inside the. Je me souviens en tant que jeune homme. I wonder who taught us that kind of foolishness. Je me souviens en tant que jeune homme que j'allais. Because later I learned that the more water you put, the more you dilute the acid. Et c'est plus tard que j'ai compris que plus. And the more you dilute the acid, the flatter the battery goes. Diriger. It must have been something that somebody that devised a very clever way of selling many batteries. Alors il y a quelque chose qui va vous recharger. But the Bible says, "He that prays in unknown tongue, he does what?" Mais la Bible dit que celui qui parle en langue va toujours. Have you not noticed that when you pray in unknown tongues, n'avez-vous pas remarqué que quand vous priez en langue, il y a une, vous êtes une personne I'm différente. I'm talking about real tongues now. Je parle des vraies langues. You know, in Revelation, the Bible says. Vous savez, dans Apocalypse, la Bible dit. Jesus is the Lamb and is also the Lion, right? Jésus est la lumière du monde. There's the tongue of a Lamb. Il est, une, il est l'agneau. The tongue of the lamb. Shall I tell you how it sounds? Est-ce que je vais vous parler de ça? Everybody's listening now.
There is the tongues and there are tongues. Il y a des langues et des langues. That even when you yourself are praying, your head is swelling. Que même quand vous-même vous priez, when you are praying, even though you are standing on the ground, but yet you don't feel your leg touching the ground. Vous priez tout en étant sur terre, mais vous ne vous sentez pas sur terre. When you have been caught into the third heavens. Quand vous êtes emmené à d'autres extrémités. At that time, whatever you say. À ce moment-là, quoi que vous disiez. It comes to pass. Va arriver. Because you are no longer in the realm of men. Parce que vous n'êtes plus dans le monde des hommes. If you have never experienced that, brother, you need to experience that. Si vous ne l'avez jamais expérimenté, frère, vous devez l'expérimenter. When you suddenly have the courage. Quand vous avez soudainement le courage. To say things that ordinarily you would never say. De dire des choses que vous n'aurez jamais dites. Do you understand what I'm talking about? Vous savez when all of a sudden. Quand soudainement. You raise up your hand and you point. Vous levez vos mains et vous pointez. And people will look at you and wonder what is wrong with you. Les gens vous regardent et vont se demander qu'est-ce qui ne va pas chez vous. It is because the general has woken up. C'est parce que les généraux se réveillent. So learn to speak in tongues. Apprenez à parler en langue. Don't leave tongues only for when you come to church. Ne laissez pas les langues uniquement quand vous venez à l'église. You don't know what to pray. Vous ne savez pas quoi prier. Priez en langue. You don't need to be able to ask every time. Just pray in tongues. Vous n'avez pas besoin de demander à chaque fois. Attends, the Bible says, "For we know not what to pray as we ought." La Bible dit que malgré tout, qu'après tout, nous devons prier pour tout. Brother, should I tell you that in this battle? Dois-je vous dire que dans chaque bataille, where the enemy is. Vous ne savez même pas où l'ennemi se trouve. Vous ne savez pas. But is there a God in heaven that knows? Mais Dieu dans les cieux sait. Is there a God in heaven that can direct your prayer to where the enemy is? C'est Dieu dans les cieux qui peut Why vous diriger vers là où l'ennemi est situé. Have you not noticed that even soldiers have walkie-talkie? N'avez-vous pas remarqué que même les militaires? Why do they have walkie-talkie? Pourquoi est-ce qu'ils ont des Because the general is trying to direct the soldiers where to. Parce que le général veut diriger son armée. Thank God I have connection to heaven. Dieu merci que j'ai une connexion avec les cieux. The signal never goes off. Le pêcheur ne peut jamais Neither is there a time that whether we make the signal not to work. Il n'y a même pas un temps où nous empêchons le pêcheur de travailler. That connection alone. Cette connexion unique est déjà une victoire. So when we pray, brethren, this morning. Alors quand vous priez, frères et sœurs. There are prayers and there are what? Il y a des prayers et il y a des prayers. When you are praying prayers of war. Quand vous priez des prayers pour les batailles. You don't care who is looking at you. Vous ne vous souciez pas de qui vous regarde. You are fighting for your life. Vous vous battez pour vos vies. Whatever way you can fight for your life, you better fight for your. Comment vous pouvez vous battre pour vos vies? Battez-vous pour vos vies. Some of you are here today. You need to fight for the life of your children. Certains d'entre vous ici, vous devez vous battre pour la vie de vos enfants. They are under your care. Qui sont sous votre protection? Some of you are here today. You need to fight for your marriage. They are under your care. Vous battre pour vos mariages qui sont sous vos gardes. Some of you are in your workplace today. Certains d'entre vous. Because God wants you to fight for that workplace. Certains d'entre vous, vous êtes dans des lieux de bataille parce que Dieu veut que vous vous trouviez dans ces lieux de bataille. I believe there's somebody here that you have been trying every possible thing to leave that workplace. Nothing is working. Il y a des gens qui. You have not finished your assignment there. Mais ça ne va pas arriver. Oh, you have not. A lady came to me about 20 years ago. Une jeune dame est venue vers moi il y a 20 ans. She said, "Pastor, I want to relocate." Then I was in Swaziland. She said, "I want to relocate." Elle dit, "Pasteur, j'aimerais déménager." À cette époque, j'étais en Suisse. In those days, I wasn't this. À ces jours, je n'étais pas très intelligent à cette époque. So I said, it's not yet time. Alors j'ai dit, ce n'est pas encore le moment. Oh, she hated me. Elle m'a détesté. That this pastor does not want me to make progress. Que ce pasteur ne veut pas que j'aie du progrès. But then I said, alors j'ai dit, it's an assignment that God has given you here. J'ai dit, c'est un exercice que Dieu vous a donné. When that assignment is complete, you don't need to do anything. Et quand cet exercice va se réaliser, ne faites rien, Dieu va frayer le chemin. Unknown to me. Alors, unknown to me, à mon insu, she stopped talking to me. Elle a arrêté de me parler. When I'm coming, she'll go another way. Quand je venais, elle changeait de chemin. Because this is a bad pastor. Parce que ça, c'est un mauvais pasteur. The pastor that is supposed to join his faith with my faith. Le pasteur qui doit joindre sa foi à la mienne. But that pastor was unwise. Et le pasteur qui n'était pas sage, mais le pasteur n'était After pas sage. After about 2 years. Après à peu près 2 ans. She suddenly called me one day. Elle m'a appelé soudainement. She said, "Pastor, there's good news." Elle dit, pasteur, bonne nouvelle. I said, "What is the news?" Je dis, c'est quoi la nouvelle? He said, "The door has opened." Elle dit, la porte s'est I said, what did you do? J'ai dit, qu'est-ce que tu said, as fait? I didn't do anything. Elle dit, je n'ai rien fait. Said, that time you talked to me, à ce moment, quand tu m'as parlé, began to do what God told me to do. J'ai juste fait ce que Dieu m'a dit de faire.
There are some of you, I'm telling you again, I believe there's one or two people here. Certains d'entre vous, croyez-moi, il y a deux ou trois personnes. You have been applying everywhere you apply. Vous avez continué à appliquer, appliquer. It's as if somehow they will just turn you down at the last minute. C'est comme s'ils vous laissaient tomber dernière minute. Right, there's even one of you that your boss will just refuse to write a letter of release. Des fois même vous refusez de écrire une lettre de démission. It is because your assignment is not yet what? Parce que votre exercice n'est pas encore. It is you that God is using to sanctify that business. C'est vous que Dieu utilise pour sanctifier ce commerce. You know yourself. I don't need to say more than that. Vous vous connaissez. Je n'ai pas besoin when de you dire have completed plus. Your assignment, quand vous avez complété l'exercice. You remember when Elijah went to the brook? Souvenez-vous de quand Élisée est allé vers le groupe? Did Elijah leave the brook by himself? Est-ce que Élie avait laissé le groupe? Was it not God that said, "Now go," right? N'est-ce pas celui qui a vu et qui a dit part? But then, when you are a soldier, you don't own yourself again, no. Frère, quand il y a des militaires, vous n'avez pas besoin de vous encombrer. You are under what? Ils sont sous votre tutelle. In the kingdom of God, dans le royaume de Dieu, a man that obeys partially, un homme qui obéit partiellement, exposes himself and his family to ruin. Expose lui et sa famille à la ruine. It is better not to hear. Vaut mieux ne pas entendre. Than for you to hear and not do. Au lieu d'entendre ne pas exécuter. Because the Bible says that the time of ignorance, God did what? Que dans le temps d'ignorance. Dieu a eu pitié. Oh, brethren, I tell you the truth. Frère, je vais vous dire la vérité. There are things that when I hear, I tell God, please don't tell me. Il y a des choses que quand j'entends, j'ai envie de dire, s'il te plaît. Because I don't want to do it. Parce que quand j'entends, je dois le faire. But once you have heard, une fois que vous avez mangé, vous êtes perdu. Go and ask Abraham. Allez de l'avant. He got to Canaan in Genesis chapter 12. Genèse chapitre 12. And God said, this is the land. Et Dieu dit, voici la terre. For some reason. Pour quelques raisons. Il a commencé à pointer des Not places. A word did God say to him again. Pas un mot Dieu Not lui a dit word. Go and read it. Not Dieu a word. Dit un mot. Until he went round and came back to the place. The Bible says he came back again to the place where he first put his tent. Jusqu'à ce qu'il ait fait le tour et revenu à son point de départ. All of a sudden God said. Soudainement Dieu dit. Now. Maintenant. I will make you. Je te ferai. Brethren, frère, there is nothing as good as being in the will of God. Il n'y a rien que d'être en la présence de Dieu. There's provision for your battle there. Il y a des provisions pour vos batailles. There's là-bas. Provision for your life there. Il y a des provisions pour vos vies là-bas. There's provision for your marriage there. Il y a des provisions pour vos mariages there's là-bas. There's provision for your children there. Il y a des provisions pour vos enfants là. There's provision for your health there. Il y a des provisions pour votre santé là. But if you leave, mais si vous partez, it will take the grace of God. Vous allez perdre. I want you to stand on your feet so that we can pray for some minutes. Alors levons-nous afin que nous puissions prier pour quelques minutes. Because in this battle of life, brethren, parce que dans cette bataille de la vie, you must learn to pray. C'est le temps de prier. I encourage you to join the morning prayers at 6 o'clock. Je vous encourage à joindre la team de prière. I encourage you to join the Wednesday prayers. Joignez-vous à l'équipe de prière. Whatever you do, you learn to pray. Mettez-le en prière. You want to start this morning or this afternoon now by thanking God for your life. Levons-nous et disons merci à Dieu pour vos vies. Thank God because he recruited you into the heavenly army. Disons merci à Dieu parce qu'il vous a emmené dans les cieux. Thank God because of what God has done. Disons merci à Dieu pour ce qu'il a fait. Thank God for the equipment that God has given you. Disons merci à Dieu pour l'équipement que Dieu vous a donné. The Bible says that the weapons of our warfare are not carnal. La Bible dit que nos armes ne sont Thank pas God statiques. Because you are not fighting a physical war. Merci parce que vous ne vous battez pas avec une bataille physique. Thank God because your weapons are mighty through God. Merci parce que vos armes sont puissantes. In God to the pulling down of strongholds. Parlez lui même dans les temps de I want you to thank God this morning. Je veux que vous puissiez lui dire merci thank aujourd'hui. God that so far you are not a casualty of war. Merci que vos familles sont encore là. Thank God that so far your marriage is not a casualty merci of war. Que votre mariage n'est pas encore failli. Thank God that so far your children are not casualties of war. Merci que vos enfants ne sont pas perdus. Thank God that so far. Merci au Père. That you yourself, your health is not a casualty of war. Que vous-même, votre santé n'est pas un moyen de chute. Thank God because you are still alive to see this day. Merci à Dieu parce que vous êtes toujours vivant de voir ce Thank jour. Thank God because you are still alive as a soldier in Christ. Merci car vous êtes toujours vivant en tant que I want you de to begin to pray. Je veux que vous puissiez dire that merci. Christ will be fully formed in you. Que le Christ va tomber pour vous. I want you to begin to pray. Alors je veux que vous puissiez prier. That Christ will be fully formed in you. Que le Christ va être
un fervent prayer. Pray that you will know him and the power. Priez de le connaître lui et sa puissance. Pray that you will know his power at work. De connaître sa puissance au travail. His power that wins battles on behalf of men. Sa puissance qui va gagner des batailles. Brother, lift up your voice and begin to pray. Frère, levez vos voix et commencez à prier. Pray that the will of God will be done in your life. Priez que la volonté de Dieu s'accomplisse dans vos vies. Pray that you will not miss it to the right or to the left. Priez de ne pas visiter la droite ou la gauche. Pray that you will not go ahead of God. Priez car vous n'allez pas aller à l'encontre de Dieu. Pray that you will not walk into the trap of the enemy. Priez car vous n'allez pas aller à l'encontre de l'ennemi. Pray that you will not go where God is not waging war. Priez car vous n'allez pas partir là où Dieu ne veut pas que vous alliez. Brother, I want you to lift up your voice as you are praying. Frère, je veux que vous puissiez lever vos voix. Just continue to pray along with me like that. Prions, prions de cette façon. I want you to pray that your destiny will not be truncated. Je veux que vous puissiez prier que votre destinée ne soit pas truncée. That the plan of God for your life. Que les plans de Dieu pour vos vies. That you will not turn it around. Que vous ne la retournez pas. I want you to pray, brethren. Je veux que vous puissiez prier, frères. That you will not fall into temptation. Priez que vous ne tombez pas dans la tentation. Oh, brethren, lift up your voice. Let everyone hear your voice. Levez vos voix et prions. That I will not fall into temptation. Que je ne vais pas tomber dans la tentation. That I will not rest when I'm not supposed to rest. Que je ne veux pas tomber dans la tentation. That I will not be having fun when I'm not supposed to be having fun. Je ne veux pas avoir une armée qui tombe. That I will be a soldier indeed. Que je serai un militaire. That I will be ready at all times. Que je serai là avec toi. The Bible says that watch and pray. La Bible dit regarde et prie. Pray that when I'm supposed to be praying, I will not be doing other things. Prie, Père. When I'm supposed to be watching, I will not be doing other things. Que je devais regarder, je ne devais pas regarder autre chose. Brother, lift up your voice and pray to God this morning. Lève ta voix et prie à Dieu ce matin. You are at war, either you like it or not. Prie auprès de ton père. If you are not fighting the devil is fighting you. Si vous n'êtes pas en train de chercher le diable, vous cherchez. If you are not fighting the principalities are against you. Le diable est en train de se battre contre vous. You cannot be neutral in this battle. Vous ne pouvez pas être neutre dans cette bataille. There is no neutral ground. Vous devez vous impliquer. As far as you are a child of God, you are a target of the enemy. Aussi longtemps qu'il y a un enfant de Dieu, il y a un. That is why you need to pray for that your marriage. C'est pour cela que vous devez prier pour la. I say every hand of the enemy over my marriage. Priez pour que toutes les mains de l'ennemi. Every hand of the enemy over my husband. Priez pour que toutes les mains de l'ennemi sur vos femmes. Every hand of the enemy over my wife. Que toutes les mains de l'ennemi sur vos femmes. That is why you need to pray for your children, brethren. Priez pour vos enfants, père. Every arrow from fashion or device against them, I want you to begin to condemn them. Chaque chose, Seigneur, qui veut nous atteindre. I want you to begin to declare that they will not prosper. Je prie qu'ils ne puissent pas nous atteindre, père. Brethren, this is why you need to fight for your life. C'est pour cela que nous prions, Seigneur. This is really why you need to fight for your children. C'est le moment de vous battre, frère. That my child shall not be a hewer of wood. Battez-vous, Seigneur. My child shall not be a drawer of water. Battez-vous, Seigneur. My child shall not be a slave to his mates. Mon enfant ne sera pas un sujet de perte, Seigneur. Oh, brethren, lift up your voice and pray. Frère, levez vos voix et priez. That the battle of life will not handicap my child. Priez pour que les batailles de la vie ne puissent pas atteindre. That the battle of life. Que les batailles de la vie. It will not disadvantage my child. Ne puissent pas affecter votre enfant. That the battle of life. Que les batailles de la vie. It will not take their life prematurely. Ne puissent pas changer votre quotidien. Brother, I can't hear you praying. Sinon, on ne pourrait pas jamais te. You want to lift up your voice and cry to him this morning. Levez vos voix et commencez à lui dire merci. Brother, pray for that your ministry. Les prier pour votre ministère. There is a ministry that the devil is contending against in your hand. Que le diable condamne, Seigneur. I want you to pray now. Je veux que vous puissiez prier maintenant. And say, indeed, I will finish my course. Priez en disant que vous en avez besoin. Indeed, I will keep the faith. Seigneur, nous allons garder vos prières. Indeed, I will fight a good fight. Seigneur, je vais garder ta face. I will fight a good fight of faith. Je vais garder ta foi. My ministry shall not be given to another. Seigneur, même ce qui n'a pas été donné. I will accomplish my ministry. Je vais l'accomplir moi-même avec mon ministère. Every ministry that God has given you, Cornerstone. Chaque ministère que Dieu m'a donné à Cornerstone. Every ministry that God has given you in the land of Canada. Chaque ministère que Dieu m'a donné ici au Canada. Every ministry to your family. Chaque ministère pour l'assemblée. Every ministry to your in-laws. Chaque ministère pour votre ignorance. I want you to pray. Je veux que vous puissiez prier. And say, Father, help me to accomplish them. Priez et dites, Seigneur, aide-moi à accomplir tout ça. I want you to pray now. Je veux que vous puissiez prier maintenant. And say from today. Priez à partir de Lord, make me uncomfortable in the midst of enemies. Dieu vous mette mal à l'aise devant vos ennemis. Make me uncomfortable in the midst of enemies. Mettez-moi mal à l'aise en compagnie de mes ennemis. I will not be comfortable in the midst of enemies. Pas confortable avec mes ennemis. I will not toy with enemies. Je ne vais pas baisser ma garde devant mes ennemis. I will not be deceived into making allegiance with enemies. Devant mes ennemis, père. I
higher business allegiance. Spiritual allegiance. Je serai béni spirituellement. Marital allegiance. Et même physiquement. Any form of allegiance, I will not enter into it with any enemy. Aujourd'hui, nous sommes tous The Lord shall open my eyes. Seigneur, ouvrons nos yeux. I will be able to discern. Et nous soyons prêts. The Lord will give me the wisdom to know. Donne-nous la sagesse de faire. Brother, lift up your voice and pray. Frère, levez vos voix. Prayer is a wonderful weapon. La prière est une arme puissante. I want you to use it this morning. Priez. And begin to pull down. Je vais commencer à me retirer. I want you to begin to pull down. Je vais commencer. Je veux que vous puissiez vous élever. Everything that the enemy has said to distract you. Toutes les choses que l'ennemi a mis en place pour vous distraire. Everything that the enemy has said. Toutes les choses que l'ennemi a mis en place to deceive you. Pour vous décevoir. Everything the enemy has said to tempt you. Toutes les choses que l'ennemi a mis pour vous tenter. Everything the enemy has said to hinder you. Toutes les choses que l'ennemi a mis en place. Begin to pull them down right now. Commencez à les pousser. Isaiah concerning me, they will not prosper. Commencez à les pousser, Père. Brother, everything the enemy has said to choke you. Seigneur, que toute chose que l'ennemi a mis pour vous étouffer. L'ennemi veut vous étouffer. He wants to choke you little by little. Il veut vous étouffer petit à petit. Every stronghold of the enemy upon my neck. Chaque combat de l'ennemi au cou. Every stronghold of the enemy upon my life. Chaque combat de l'ennemi sur vos vies. I command you be broken in the name of Jesus Christ. Que nous puissions nous aller de l'avant, non puissions. I want you to pray against affliction. Que vous puissiez prier pour vos futurs. The Bible says affliction shall not arise again. La Bible dit que vous n'allez plus. You want to pray that affliction will not even arise the first time in your house. Seigneur, car nous allons prier. I say, Lord, I come against affliction in the name of Jesus. Seigneur, nous te confions notre futur au Seigneur. Brother, I want you to pray if you know how to pray. Frère, je veux que vous puissiez prier si vous savez prier. This is a potent weapon that you are using. Priez, frères et sœurs. This is a weapon that can bring down walls. C'est un repas qui peut faire tomber des murs. It's a weapon that knows no limits. C'est un chemin qui peut faire tomber des murs. But I want you to pray. Je veux que vous puissiez prier. And say, Father, help me. I will never get tired of praying. Et dites, frère, Père, aide-moi. I will never get tired of this battle. Je ne suis pas fatigué de cette bataille. Help me, Lord. Aide-moi beaucoup. Keep me alive. Aide-moi, frère. That I will never be tired of this battle. Que je puisse aller de l'avant, gagner cette bataille. Brethren, pray against discouragement. Frère et sœur, priez. I will not be discouraged at battle. Priez pour que vous puissiez gagner la bataille. I will not be discouraged at war. Priez de ne pas être déçu. I will not be discouraged in any way. Priez de ne pas être découragé. I want you to lift up your voice. Je veux que vous puissiez lever vos voix. Oh, just talk to God. Et priez. I will not be discouraged. Dites-lui que vous n'allez pas être découragé. I will not be discouraged. Vous ne serez pas découragé. I will not be ignorant of the schemes of the enemy. Vous ne serez pas du tout ignorant. Make it plain unto me, oh God. Prions, Père. Make it plain unto me, O God. Nous prions à toi, Père. Every scheme of the enemy over my husband. Que tout esprit, Seigneur. Every scheme of the enemy over my wife. Que tout esprit qui veut nuire les femmes. Every scheme of the enemy over my children. Que tout esprit sur mes enfants. Every scheme of the enemy over my job. Que tout esprit de l'ennemi sur mon emploi. Every scheme of the enemy. Que tout esprit de l'ennemi. Lord, this afternoon. Seigneur, cet après-midi. I pray God Almighty for discernment. J'ai prié Dieu pour le serviteur. Brethren, use your weapon today. Seigneur, utilise ton arme. Brethren, use your weapon today. Seigneur, utilisons ton arme aujourd'hui. The Bible says that the weapons of warfare are not carnal. Car la Bible dit que tu te rends. The mighty true God to the pulling down of strongholds. Merci, Père. Use your weapon to pull down every stronghold. Utilise tes propos pour against cornerstone. Par la cornerstone. Every stronghold. Que toutes les batailles. Against the progress of cornerstone. Que toutes les choses qui peuvent. Every stronghold. Que toutes les batailles. Against the completion of our building. Qui vont à l'encontre de notre projet. Every stronghold. Que toutes les batailles. Against favorable responses from quarters and matter. Qui vont à l'encontre de notre objectif. Begin to pull them down. Seigneur, fais les tomber. Begin to pull them down. Tomber, Père. Jesus said, I will build my church. Seigneur, la Bible dit que je vais and the gates of hell will not stand against it. Je dis que je vais construire mon église. I want you to speak to every gate of hell now. Que vous puissiez m'aider. Shift in the name of Jesus. Parlez au nom puissant. Shift in the name of Jesus. Éloignez-les tous au nom Shift in the name of Jesus. Éloignez-les au nom de every gate we command you to open. Que toute personne. Every gate we command you to open. Que toute personne qui vient devant nous. Brethren, lift up your voice and cry to him. Seigneur, nous les confions entre tes bras. That every gate. Of opportunity, we begin to open to cornerstone. Every gate of financing, we begin to open to cornerstone. Gate that we draw in men. Gate that we draw in favor. Brethren, lift up your voice and pray. That gate that we draw in favor for the church of God. Gates that we draw in financing for the church Seigneur, of God. Confie entre tes bonnes mains, Père. Just lift up your voice and pray. Élevez vos
vos voix et puis priez. Say, God, let it be unto me. Seigneur, nous nous confions entre tes bonnes mains. Let it be unto me. Seigneur, nous nous confions entre tes bonnes mains. Lord, let it be unto me. Nous nous confions entre tes bonnes mains. Thank you, everlasting Father. Merci, Père. Glory be to your name, O Lord. Que la gloire te soit rendue. In Jesus' name we pray. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Those of you that were here for prayer yesterday. Notre équipe de prière. Yesterday. Hier. I said. J'ai dit. You will rise again. Que vous allez vous élever encore. And the Bible goes further to say. Et la Bible va de l'avant et dit que ceux qui cherchent dans les ténèbres that they shall see a great light. Qu'ils verront toujours. You know what that also means? Vous savez ce que cela veut dire? It means that immediately we pronounce that, cela veut dire qu'aussitôt que nous disons cela, your enemy also goes to work. Vos ennemis aussi se mettent but because the word has gone out before him, mais parce que la parole est sortie the Lord is lui, going to do it for you. Le Seigneur va le faire. But you are going to pray. Nous allons prier. Because I learned from Elijah. Parce que j'ai appris d'Elijah. The Bible says Elijah said, "I've heard the sound of abundance of rain." La Bible dit que malgré l'abondance de la pluie. And yet, when he told the king to go, he went to pray. Et même quand il a dit that nothing prier, can stop this rain from coming. Parce que rien ne peut empêcher cette personne. Hearing rain and seeing rain fall, there are two different things. Entendre la pluie et entendre cette voix de pluie tomber, frère. The Lord has said that you will rise again. Frère, la Bible dit que vous allez vous élever. You are going to pray. Nous allons prier. Everything that wants to keep me on the ground. Que toute personne qui everything that wants to keep me on the ground. Vous empêcher d'évoluer. Everything that wants to keep me where I am now. Chose qui veut vous empêcher. I take authority over you in the name of Jesus Christ. Prie au nom puissant de Jésus Christ. Begin to pray in the name of Jesus. Commencez à prier au nom de Jésus. Refuse to remain on the same spot. Refusez de vous laisser. No, you refuse. I'm not remaining on the same spot. De vous laisser tomber. The word has gone out. I caught it. Parce que Dieu vous a frayé. I am walking with it. Nous prions. Oh yes, I am walking with it. Priez, frères. I am rising again. Relevez. I am rising again. Vous allez vous lever encore. I am rising again. Vous levez encore. I am rising again. Vous levez encore. In April 2024, I am rising again. Stack, vous allez encore vous lever. I'm rising again. Je vais me lever encore. I am rising again. Je vais me lever encore, Père. Just confess it if you don't know what to pray. I am rising again. Confessez que vous allez encore vous ressusciter, Père. Nothing can stop me now. Rien ne peut vous empêcher de vous ressusciter. The Bible says the word of God is sharper than the two-edged sword. Élever, Seigneur. The Bible says he sent forth his word and he healed them. La Bible dit que nous allons toujours aller de l'avant. He delivered them from their destruction. Que malgré les obstacles, nous irons de l'avant. Every destruction that is set for me. Toutes les distractions qui sont mises. Every destruction that is set for my children. Distractions qui sont envoyées pour you have enfants. Missed your target. I shall not die. Seigneur, car I shall not be destroyed. Nous prions, Père. Oh, I will not be destroyed. Au Seigneur, nous nous confions en toi. Not be destroyed. In the name of Jesus, I will not be destroyed. Puissant de Jésus Christ. The Bible says, "They that sit in darkness shall see." La Bible dit que celui qui est dans les ténèbres va toujours voir la lumière. I want you to pray. The Bible says, "The Lord." Je veux que vous puissiez prier. Will be a light unto me. Priez d'être par de cette équipe. Begin to tell yourself. Commencez à vous dire. April 2024. Que toutes les âmes. The Lord shall be a light unto me. Parce que Dieu a frayé le chemin. I will not walk in darkness. Priez parce que vous n'allez pas marcher dans les ténèbres. I will not battle in darkness. Priez parce que vous n'allez pas marcher dans les ténèbres. I will see the light. Priez parce que vous allez I will walk in the light. Priez parce que vous allez marcher dans la lumière. I will remain in the light. Vous
allez demeurer sous la lumière. I will not know darkness again. Vous n'allez plus jamais voir les ténèbres. I will not know darkness again. Vous n'allez plus jamais voir les ténèbres. I will not know darkness again. Vous n'allez plus connaître les ténèbres. I assume that I will see the light. Vous allez voir la lumière. I will see the light. Nous allons voir la lumière. The Bible says that the shepherds they saw a light. La Bible dit que vous êtes le sauveur des hommes. They did not miss the road. They saw a light. Seigneur, envoie-nous la lumière. They did not fall into the hands of the enemy. They saw la lumière, a light. Seigneur, I will see the light. Nous allons voir la lumière à travers toi. I will see the light. Nous verrons la lumière à travers toi. I will see the light. Nous verrons la lumière, Père. Thank you, Father. Merci, Père. Thank you, Father. Merci, Père. The Bible says. La Bible dit. That though weeping may endure for a night. Que ceux qui s'attendent au Seigneur. But that joy comes in the morning. Que ceux qui s'attendent au Seigneur renouvellent. Brethren, whether you like it or not, there is a new dawn coming this year. Frère, que vous le voulez ou non, il y a un bon jour qui arrive. I'm going to lift up your voice because of time. You only have 2 minutes. Élevez vos voix et dites-lui merci. Whenever light shines, dites-lui merci parce qu'à chaque fois que la lumière brille, there are things you didn't see before that you begin to see. Il y a des choses que vous n'avez pas vues avant que vous ayez voir. Whatever was hidden suddenly comes to light. Quel que soit ce qui va soudainement venir. And even your path, you can't miss it. For 2 minutes. Pour 2 minutes. You want to pray. Prier. And say, Father, et dites merci. Let me experience a new dawn this year. Laisse-moi faire une nouvelle expérience. That's all you need to pray. Just 2 minutes. Je fasse une nouvelle expérience. Let me experience a new dawn this year. Père, j'aimerais faire une nouvelle expérience. There is a new dawn for somebody here. J'aimerais faire une nouvelle expérience. There is a new dawn, a new dawn. Il y a une nouvelle maison pour moi. Yes, there is a new dawn. Oui, il y a un nouveau bâtiment. You are walking out of trouble. Je vais marcher en dehors. You are walking out of darkness. Je vais aller hors des ténèbres. You are walking out of shame. Je vais aller hors de la honte. You are walking out of sorrow. Je vais m'éloigner de la maladie. You are walking out of sickness into a new dawn. Je vais m'éloigner de la maladie. Praise God, let me experience a new dawn this year. Laisse-moi entrer dans ta maison. Starting now, let me begin to experience a new dawn. Laisse-moi aller dans ta maison, Père. Let me experience a new dawn. Nous bénissons ton nom, Père. Let me experience a new dawn. Thank you, everlasting Father. Merci, Père. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. Glory be to your name, O God. C'est en ton nom que nous prions, Seigneur. In Jesus, en ton mighty nom name, puissant, Jésus-Christ, prayed. Nous avons prié. Tonight, we are going to be praying for some special groups of people. Nous allons prier pour des choses spéciales. I see certain people are at the edge of making certain life-changing decisions. Je vois que certaines personnes sont sur le point de changer des décisions. The decision that you think will favor you is actually not the path. Doivent prendre des décisions cruciales pour leur vie. I'll talk more about it in the evening, but God says there shall be a new dawn. Je devrais en parler ce soir, mais
Father, we want to thank you for today. Père, nous voulons te dire merci pour aujourd'hui. We thank you, God, because you are faithful. Nous te disons merci parce que tu es fidèle. Thank you because with you nothing can be hidden. Merci parce que devant toi rien ne peut être caché. Lord, I bless your holy name for your word. Père, je bénis ton saint nom pour ta parole. I thank you, Father, for answering the cries of your children. Merci d'avoir écouté les prières de tes enfants. Thank you for the weapon of prayer. Merci pour les armes de prière. Father, we give you all the glory. Père, nous te donnons toute la gloire. Thank you because we will never be tired of praying. Merci parce que nous n'allons jamais être fatigués de prier. Thank you because we will never be discouraged from praying. Merci que nous n'allons jamais être découragés de prier. As you, Father. Alors, Père, as your children are praying today, alors que tes enfants prient aujourd'hui, I remind you of your word. It says that as you have spoken in my ears, that shall I do. Je me souviens d'une parole. And so, Father, today we pray. Alors, Père, aujourd'hui nous prions. As your children have spoken, Father, do it, O God, in the alors name of Jesus. Tes enfants parlent, fais-le, Père. I pray that every heart cry, je prie que toute personne qui pleure, every battle of the mind, que toute bataille d'homme, every battle for their marriage, que toute bataille contre leur every mariage, battle over their children, que toute bataille contre leurs enfants, every battle for their lives, que toute bataille contre leur vie, today let it be turned around. Aujourd'hui que ces batailles soient renversées. Every word that seemed as if it was lost, chaque chose qui veut les perdre, Lord, let there be a turnaround. Père, que ces choses-là soient renversées. I pray, Father, that you do great things. Je prie, Père, pour ta grande gloire. Everyone that has lost their joy, que toutes personnes qui ont perdu leur joie, let there be a turnaround. Que ces personnes, que cette joie soit restaurée. Everyone that has lost their confidence, que toutes personnes qui ont perdu leur Father, confiance, let there be a turnaround. Seigneur, que cette confiance leur soit restaurée. We just give you all the glory. Nous te donnons toute la gloire. In Jesus' mighty name we pray. Au nom puissant de Jésus-Christ. I'm going to invite the choir back. Est-ce qu'on peut avoir just before you sit de... down, is there anybody that is worshiping with us for the first avant time de vous this asseoir, est-ce qu'il y a afternoon? Qui est avec anybody here? This is your very first time. Oh, quelqu'un avec nous the Lord pour la bless première you. Usher, there's somebody here. Anybody else? Quelqu'un avec nous pour la première upstairs, fois. Downstairs, anybody quelqu'un else? Quelqu'un avec nous pour la première fois. Okay, so we are going to collect our tithe and offering. Alors nous allons prendre notre dîme. Remember your tithe, your offering, your building fund, your seed, whatever it is that you want to give. Offrandes, de vos soutiens you pour give la it cheerfully and the choir will sing. And then we'll go around and welcome one another at the la same time. La chorale va chanter, nous allons okay, souhaiter la bienvenue. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. As we offer our heart to thee, the sacrifice is of thanksgiving. As we to hold on to your neighbor. Je veux que vous puissiez attraper vos voisins. And say neighbor, if you know their name, call their name. But if you don't know their name, just say neighbor. Tenez you will not be main. A casualty of war. Tenez les mains. Vous I want you to tell them that three times. You will not be a casualty of war. Vous n'allez pas être, vous n'allez pas tomber pendant la bataille. Vous n'allez pas tomber pendant la bataille. Now you want to tell them you will not be a prisoner of war. Vous n'allez pas être un prisonnier de guerre. Vous n'allez pas être un prisonnier de guerre. How many times? Combien de fois? Three times. Pour l'un. Okay. Good. Are they smiling when they are telling you? Est-ce qu'ils sourient? It's not smiling when they're telling you. Ils ne sourient pas pendant qu'ils vous le disent. Watch their face if they are smiling or not. Regardez leur visage. If they are not smiling, just raise up your hand where you are. I will come there. S'ils ne sourient pas, lève. Now this is what you are now going to do. Remember what
Alors, vous vous rappelez quand? Remember what happened in the book of 2 Kings. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dans le livre de deux rois. When Elijah told the king to stamp the ground. Remember? Livre de deux rois. So now you will now tell your neighbor as many times until I tell you to stop. Alors maintenant dites à vos See, voisins. In every battle you fight going forward, you shall be a champion. Que quoi, quel que soit la bataille devant vous, vous allez réussir. And so shall it be in Jesus' name. Now, I want you to put your hand on your own head. Mettez vos mains sur vos têtes. When a man goes to war, the plan is for the man to return. Quand un homme va dans une bataille, il se prépare. You just say to yourself, vous allez juste dire, I will not die at war. Je ne vais pas mourir pendant la bataille. Repeat it to yourself as many times as possible. Dites-vous, I will not die at war. Pendant la bataille. I will not die at war. Dites-vous à vous-même, I will not die at war. Pendant la bataille. I will not die at war. Vous n'allez pas mourir pendant la bataille. I will not die at war. Vous n'allez pas tomber pendant la bataille. No, I will not die at war. Vous n'allez pas tomber pendant la bataille. Repeat it to yourself as many times as you can. I will not die at war. Vous-même, autant de fois que vous pouvez. Repeat it until you are not thinking of it, but you are saying it. Vous n'allez pas mourir pendant la bataille. I refuse to die at war. Vous n'allez pas mourir pendant la bataille. No, I will not. Seigneur, je ne vais pas tomber pendant la I'm bataille. Still useful to my children. Je ne vais pas I'm still useful to my husband. I'm still useful to my wife. Je vais I will not die at war. I'm still useful in the church of God. Je suis toujours utile I will not die at war. De Dieu. Je ne vais pas tomber pendant la bataille. And so shall it be. Et qu'il en soit in Jesus' mighty name we have prayed. Nous avons prié. Amen. Now you tell yourself that surely Alors dites à vous-même goodness and mercy la bonté et la miséricorde shall follow me. Vont me suivre all the days of my life. Tous les jours de ma vie. I shall dwell Je vais combattre in the house of the Lord dans la maison de Dieu forever pour toujours and ever et pour toujours. Amen. Amen. Now tell yourself, I shall live. Dites-vous à vous-même, je vais vivre. I will not be a victim of war. Je ne serai pas une victime de guerre. I shall live. Je vivrai. I will not be killed at war. Je ne serai pas mort pendant I shall live. Je vais vivre. I will not die prematurely. Je ne vais pas mourir de façon I shall live. Je vais vivre. To declare. Pour déclarer. To proclaim. Pour proclamer. The works of the Lord. Que les œuvres and the land of the living. Dans la in the land of mountains, sur la terre de mountains, in the land of Canada, sur la terre du Canada, I shall declare je vais déclarer the works of the Lord que les œuvres de in my life, de la terre, dans in my family, dans ma famille, in my marriage, dans mon mari, in my children, dans mes enfants, I shall declare je déclare the works of the Lord que les œuvres de in la the land of the living, dans la terre des vivants, tomorrow, demain, next tomorrow, après-demain, next week, next year. Forever pour toujours and ever et pour toujours until Christ comes amen. 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 Anybody that wants to put their hands, their feet Jouez and their mouth together and make a noise. Unis vos mains et acclamez. The Lord bless you. See you at 6 o'clock. Que le Seigneur vous bénisse. On se voit à 6 heures. Second service today. We hope that you will join us again next time to our services. Dans le deuxième service, on espère que vous allez nous voir dans le deuxième. Invite your friends, your family, your colleagues, vos amis, and be a part of what God is doing here. Soyez membre de ce que Dieu veut faire pour nous. Have a great new week. Passez une bonne semaine.